Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4 dans notre série consacrée à l'Empire d'Italie. Il nous reste 11 ans à jouer, sportif. Mauvaise erreur de ma part, très mauvais calcul, j'aurais dû attendre la fin des légitimations. Résultat des courses, on va avoir quelques petits problèmes. Hélas. Bon, c'est pas apocalyptique non plus. Hein. C'est vraiment pas apocalyptique, mais ça typiquement j'aurais pas dû le faire. On va supprimer l'état. Voilà. On va supprimer l'état. Parce qu'on est vraiment en dèche. J'aurais dû attendre peut-être un an. Parce que là, résultat, on va prendre des troupes. On va prendre des provinces. Mais on n'aura pas assez pour. On aura trop de surexpansion en fait. Bon. C'est j'avoue que c'était un peu la précipitation, on va dire le stress entre guillemets, d'essayer d'y arriver. Mais bon, pire si on n'y arrive pas, pas de souci, puisqu'on pourra faire ça dans une autre partie tout simplement. Donc tu veux tout ça, bah prends tout ça, écoute hein. Donc on va te donner ça, donc ça on va le tourner à la Suède. Voilà. Là on commence à prendre pas mal d'attrition. Ça serait quand même assez intéressant. On paye beaucoup plus cher du fait de notre surexpansion. On paye 45% plus cher. Bon. Ceci dit, les Russes sont relativement dans une mauvaise posture. On pourrait pas tout prendre. On aurait 200% de surexpansion. Mon dieu, c'est juste aberrant quoi. Le pays va sombrer dans un chaos le plus total. Mais pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, là, c'est la fin de partie, on va dire que ça va être du fun. Mais j'avoue que... Juste un petit peu le son. J'avoue que je trouve ça extrêmement... dommage, extrêmement dommage de ne pas voir un pourcentage, un rapport ou quoi que ce soit d'autre. Là, le pays est trop riche, trop puissant. Puissant, honnêtement, je vois pas comment. Parce que on a bientôt deux fois plus de limites terrestres. Il se tape des mercenaires. Ils ont des emprunts dans tous les sens. Tellement d'emprunts. Nous on en a qu'un seul, soit. On se fait un peu occuper, je sais pas trop où, mais on se fait occuper. Oui, on se fait occuper là, soit. Chose qui arrive. Par contre, étant donné que problème, on va continuer à protéger notre commerce. Hein, notre... Voilà, je vois pas pourquoi on ferait pas, ça nous ferait avoir un peu plus d'argent tout de même. Ça, on reprend ça, on va aller dessus après, parfait. On a la lutte contre la corruption qui fait mal tout de même. Ouais, elle fait très très mal. On risque d'avoir une surexpansion encore un peu plus scandaleuse. On va continuer à avancer. Hein. Je vois rien qui nous empêche de le faire. Hein. Ou on pourrait vraiment prendre tout ce qui est... Je sais pas comment on pourrait faire ça. Parce que là, on est vraiment en train de... Peut-être se diviser en deux. Voilà, on va terminer ça. On va le donner à la Suède. Alors, Suède, si je te donne ça, voilà, t'es content. Un point de faveur. On en est loin, ouais, on en est quand même vache. Je sais vraiment pas comment... Franchement, si c'est la taille, c'est vraiment dégueulasse. Si c'est la taille, c'est vraiment scandaleux que ça doit être le cas. On leur a bouffé deux fois leur... On va continuer, hein. On va continuer, on leur mangera ça. Et on verra bien ce que ça va donner.
réduit leur flotte à néant. Parfait, on va rentrer à la maison. On continue à prendre des provinces, hein, c'est toujours assez agréable. Ouais, peut-être par contre 4000 troupes sur le même endroit, je vois pas trop l'intérêt. Bon, après, les nos alliés font le taf. C'est une belle province, ça. Ouais, 5 de développement, mais bon, on va le donner à la Suède. Ça aussi. On va juste attendre que ça se termine, peut-être. Est-ce qu'on aurait quelqu'un de plus performant? Parce que le coût de la stabilité, c'est une chose, mais si on n'en gagne que 7, hélas. Bon, voilà, ça, on va le donner à la Suède. Voilà, et on va continuer à avancer. Fais tout le tour de la Scandinavie. J'ai jamais été dans cette mer. Ça peut être marrant. On a combien de... On est à 25. Ok, on prend des provinces. Parfait, on continue. Va peut-être légitimer une fois. Bah légitimer. Augmenter notre stab. Voilà. Il faut moins qu'on... Bon déjà on n'aura plus le désastre intérieur. Ça déjà c'est réglé. En théorie. Bon là on va prendre pas mal de provinces avec, avec notre allié. Notre flotte devrait faire le tour de la Scandinavie. Là, on prend plein de petites provinces ici et là. Notre réformateur militaire est mort. Voyez-vous ça. On va prendre le moral terrestre. Ouais. Bon, il est pas tip-top. C'est pas grave. Ah, il y a eu des séparatistes à Novgorod. On va y retourner. La flotte est où? Elle fait le tour pour le moment. Ici, on va aller là. Bon, les Suédois y vont. S'ils y vont. Ah, Côte d'Or. C'est la Côte d'Or. Hop là. Encore une fois, je le précise, c'est vraiment quick and dirty cette partie. C'est vraiment du quick and dirty. Pour, bah, en la fin de partie. La fin de partie. Là, il faut faire attention, on va avoir des troupes russes. On occupe des provinces, parfait. On va en occuper une autre. Tu vas aller ici, en fin de compte, ce sera peut-être mieux. Bon, mine de rien, on repasse en positif. C'est très bien. Hop. Peut-être prendre des provinces là, ça devrait être intéressant, non? Arrêtez de pop. Ouais, celle-ci est pas mal. On va la prendre. Toi tu vas où? Tu vas là. Ok, alors, marche forcée. Marche forcée. On attend que tu sois lock. Séparatiste en Côte d'Or, d'accord. Voilà, t'es lock, on y va. Voilà, on va leur faire un stack wipe. Alors toi t'arriverais avant normalement. Ouais, toi t'arriverais bien en retard. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont un bon général. Est-ce que nous c'est l'un de nos meilleurs généraux? On va prendre l'avantage, on va prendre celui-ci. Voilà, on serait par contre, ouais, ce sont des... Bon, ouais. En fait, à un seul, ça fonctionne largement. Stack wipe de l'armée russe, merci d'être venu. Continue là-dessus. Est-ce qu'on pourrait... Mince, je vais trop vite. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec notre réseau d'espionnage? On pourra... soutenir des rebelles dès qu'on le pourra. Donc là, on est à 49%. Qu'est-ce que ça donne?
On donne des choses à la Suède. Parce que nous, on peut pas tout prendre. On va avoir trop de surexpansion. Parce que là, ça passerait... Ah, ça fait quand même cher, là. Parce que quoi? Parce que durée de la guerre, c'est ça? Durée de la guerre. Ouais, supérieur au score de la guerre. On va continuer à convertir, par contre. Benghazi. J'ai même pas envie de voir... Je me demande combien les Russes... On a une révolte. L'income des Russes est encore assez intéressant. Mine de rien. Ils ont... Ah! Alors là, par contre, il faut juste qu'ils m'expliquent comment ils ont fait. Non, pas là. Ici. Ils ont... Bon, alors, on a eu des révoltes ici. Côte d'Or, c'est géré. Je pense que nos... Non, ils vont pas y aller. Merci pour l'aide. Voilà. Bon, par contre, toi, tu vas aller là. Toi, tu vas continuer dans ton délire. On prend des provinces, on prend des provinces. Notre flotte est là. Parfait. Par contre, on bloque leur port ou pas? Ah, il n'y a rien à bloquer, je suppose. Ouais. Quelles sont leurs plus grosses provinces? Ah, ici, on a une belle. 29 de dev. C'est intéressant de la donner à... Non, on pourrait pas... ouais, alors ce roi-là, franchement, il est vraiment moisi de chez moisi. Ils ont combien de troupes, les Russes? Ouais, ils ont plus que 200k, mais je ne sais absolument pas où ils sont. On s'est occupé de ça, parfait. On occupe des si on fait des sièges, parfait. Continue à avancer. Hop, hop. Parfait. Ici c'est bon. Toi tu vas aller là, toi tu y vas déjà, c'est parfait. Toi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ici. 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 Là. On va trop diviser, toi. Déjà, faites comme ça. Ça fera déjà pas mal. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas te diviser encore. Et tu vas aller là. Toi tu vas aller là, toi tu vas te diviser, tu vas aller là, tu vas aller là et déjà ça, on y verra déjà un peu plus clair. C'est intéressant que les autres pays déclarent la guerre hein, à la Russie. Bon voilà, là on se divise parfaitement. Voilà, on prend ce qu'il y a à prendre. Tu vas aller là, c'est parfait. Toi, comme t'as terminé, tu peux aller ici peut-être. Parfait. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller ici, parfait. Toi, t'as terminé, je crois. En marche forcée, tu vas aller là. Ou là, je crois. Continue. C'est une province. Elle est où leur province qui leur donne beaucoup de. Où il y a un peu de développement. C'était. Niveau de développement, voilà. Ouais, c'est celle-ci qu'il faudrait prendre à la rigueur. Et la transoxyne. Ok, bon, on va faire ça. Et on va faire ça. C'est celle-ci, hein, c'est pas ça. Non, c'est ça. Ok. Donc ça, c'est 9%. Et ça, c'est du 10%. Ok, parfait.
La Trotoxoxiane revendique ça? Non, c'est Chagatai. Ok. Ok, parfait. Ici. Non, on va prendre ici. On termine de prendre ces deux provinces là. Voilà, parfait. Ça ici, ça a des problèmes. Et ah, un petit 12 ici quand même. Hein. Petit 12 de dev. Toujours une super grosse puissance de la mort qui tue, je suppose. Hein. Ouais, trop riche et trop puissant. Avec 4000 emprunts, plus de troupes. Avec un développement égal à quasiment celui de l'Espagne. Ouais. Voilà, on augmente. Parfait. Parfait. On continue. Voilà, ça on va le prendre, ça on continue à avancer, hop, voilà. On va peut-être commencer à se regrouper. Non, toi tu vas pas te regrouper, toi tu vas aller à Moscou, toi tu vas aller ici. Là, ici, ça sera intéressant, ouais. 35 de développement, c'est quand même pas mal. Non, on va éviter de perdre trop d'argent, surtout qu'on n'a pas l'argent. Alors, toi tu vas où? Bon, on va aller. Ils vont où les Russes? Ouais, ils back. Ok, ok, on prend des provinces, parfait. On continue à avancer. On va se mettre là. Là, parfait. Oui. C'est presque pénible ces pop-up. C'était quelle province où il y avait pas mal de devs? Ouais, c'est moisi ici quand même. Bon, une fois qu'on va leur prendre ça, et que... Je sais pas où vont les Russes. Bon là on va prendre... Voilà, 61, là on va prendre ça. On a perdu un général. Enfin avec... Donc on va prendre cette province ici à 35 de devs. Et après on va s'arrêter ici, on s'arrête en 1811. On termine de prendre ces provinces. Il n'y a plus de fort de toute façon là. À rigueur, ce qu'on peut faire c'est ça et ça. On va pas aller jusque là. Vous. Ouais, non, allez-y à la rigueur. Toi, tu vas rentrer à la maison. Bon, 64%. On a une révolte en Crimée qu'il va falloir aller mater. Bon, on va utiliser notre flotte. Ouais, je pense pas qu'on va faire comme ça. Tu vas me prendre un général de dispo. Voilà. Et là, t'embarques et tu débarques. La Grande-Bretagne nous a rivalisé. Ok. On s'occupe de ça maintenant. Bon, là, je pense que... Voilà. On devrait quand même avoir... Ok, ils acceptent. Ils acceptent. Qu'est-ce qu'on pourrait leur faire d'autre pour les amputer encore? Ils accepteraient de...
Libérer des pays. Ouais, non, on n'a pas le fort à tous les coups. Chagatai. Ce serait un gros pâté, Chagatai, quand même. Ils acceptent. Ouais, non, c'est trop fort pour eux. Nogai. Nogai, ça serait. Ouais, ouais. T'as des provinces en moins. On n'avait pas dit qu'il y avait une province intéressante dans le coin ici. Ouais, une petite province à. Toujours ça qu'ils n'auront pas. On va pas pouvoir, hélas. Nogai, on les oublie. Là, ça commence. Ouais, on va faire dur encore en la guerre un tout petit peu. Voilà, on prend des provinces, parfait. Ils doivent avoir tellement. Ils sont tellement mal. Toujours pas. Bon, on aura une coalition de rien du tout. Tu sais quoi, tu vas pouvoir prendre. Les nobles perdent 10 d'influence, parfait, parfait. On va peut-être pouvoir demander un soutien diplomatique, je crois. Non, toujours pas. Soutien administratif, c'est en 18. Ouais, c'est pas tout de suite. Hein. Ok. Kafa. Ouais, on y est, parfait. On s'en occupe de suite. Voilà qui est fait. Alors maintenant, tu veux toujours pas 8, on est pas loin. Ouais, on va prendre ça toi. Ouais, on a différé notre emprunt, ok. Des révoltes à Cracovie, parfait. Non, tu sais quoi, je vais te mettre en speed, on a le temps. Et tu veux me mettre un général de capable. Voilà, lui, c'est parfait. Ouais. Alors, maintenant, ils acceptent. On se tape quasiment 200% de surexpansion. Ok. Tac, tac, tac. On prend tout ce qu'il y a à prendre. Ce qu'il y a à prendre, ouais. On pourrait prendre autre chose, ou libérer, ou qui renonce à des territoires. Ouais, ils accepteraient parce que. Pas, t'acceptes. Tu redonnes des trucs au Japon, mais je pense qu'il y a des forts dans la région, et puis comme on n'y est pas. À Transoxiane, tu redonnes ça. Non, tu veux pas. Ok, est-ce que tu peux libérer des pays? Non, tu peux pas. Est-ce que tu peux... Même pas un peu d'argent. Non, bon, on va partir là-dessus. Ça coûte 200 balles. On va le faire. Donc, on donne plein de choses à la... à Novgorod. À Novgorod, qu'est-ce que je dis, moi. À la Suède. On va prendre un petit truc en plus. Non, même pas. Il y en a un truc moisi, on prendrait. Non, on peut pas. De peu. Ouais. Ça chiffre quand même. Hein. Bon, voilà. On les ampute quand même drastiquement. Allez. On prend même pas 10 balles. Bon, allez. On prend rien du tout, on s'en fout. Et la Suède récupère... Ah non, il récupère quoi la Suède? Ah, par rapport à l'effort de guerre qu'il propose. Il perdrait combien? 7. On te donne combien? On t'en donne 1, 2, 3. Ouais. Oh bah fais la tronche, je suis content. Qu'est-ce que je te dis? Pourquoi? Parce qu'en fait, sa contribution... Ouais, bah tu participes à 70... Ah ouais, d'accord, mais... Non, quoi. Bon, ouais, bref, on s'en fout. On leur donne bien 1, 2, 3, 4...
1, 2, 3, 4, 5. Il va y en manquer un dans l'eau. Suède, Suède deux fois. Trois fois, quatre fois. Ah, ils veulent ça peut-être. Prenez-le, écoutez. Ça, ouais, c'est ici aussi. Si on vous donne ça, vous êtes contre, vous êtes neutre, ok. Nous, on prendrait un truc en moins à la rigueur. 17, celui-ci, on va le garder, clairement. Celui-ci, on va le virer. Celui-ci, on le vire, voilà, et là, ça passe. Voilà. On vous donne ça. Et on prend de belles provinces. Ok, et là, la Suède est pas contre. Ils perdent énormément en démonstration de force, en prestige. Moins 23, ouais, ils vont être vraiment nuls. Bon, allez, go. Voilà. On va... 100... Mon dieu, par contre... Ah, il faut qu'il ait régné 20 ans, mon dieu. On va prendre lui. Faut qu'il ait régné 20 ans. Bon, c'est pas grave. Là, par contre... plus 8. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est honnête. C'est honnête. On va peut-être agir là-dessus. Sur ce qu'on peut. Voilà. De toute façon, on va tout faire. Voilà. 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 Déjà pas mal. Ensuite, vous, vous allez tous revenir... par chez nous. Voilà. Toi, déjà, on va s'occuper de toi. Tu dégages de chez moi. C'est un fait. Toi, marche forcée, tu allais là. Toi, tu vas retourner en tronc ici. Toi, tu vas retourner en tronc ici. Toi, tu vas retourner en tronc ici. Voilà. On peut choisir un nouveau rival. On va re-choisir la Grande-Bretagne. Et là, on peut toujours pas, je suppose. Hein. Oh. Oh. Oh oui. Oui, 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 oui. Eh ben, si ça marche... Oui. Garantir l'indépendance. Bam. Et succès, paix garantie. Oh mon dieu, on a réussi. On a réussi. On a réussi les gens. On a réussi là où... On va soutenir des rebelles par principe. Ouais, non. Non, on va pas soutenir des rebelles. On va... entacher la réputation. Voilà. C'est gratuit. Oh, super. Super. Par contre, là, il va falloir faire quelque chose d'assez important. On va abaisser, on va remballer nos forteresses. Ça nous fera rembourser notre emprunt plus rapidement. On va légitimer ce qu'il y a à légitimer. Voilà. Et là, ça commence à péter dans tous les sens. Hein. Forcément, Kong, bla 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 bla. Ok. Ah oui, joli. Très joli. Et on a évidemment, au moment, bien sûr, hein, c'est connu. Au moment où on décide de détruire nos forteresses. Bah de démanteler, d'annuler la garnison. Ok, bon c'est pas grave, on va aller là, on va aller là. Après on va faire un petit tour ici, en principe. Là il y a rien évidemment. Ici il y a des choses. Ok, alors toi marche forcée, tu vas t'occuper de ça. Tu vas t'occuper de ça. Ensuite toi tu vas t'occuper... Ok, alors toi tu vas pas aller en marche forcée par contre, tu vas faire ça, ça et ça. Au moment où on décide de retirer nos forts, c'est pitoyable. C'est vraiment gratuit en fait. Toi, tu vas aller là. Ok, parfait. Bon, agitation locale, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. On va faire avec, hein, c'est le tarif j'ai envie de dire. On va à la Constantinople. On perd toujours de l'argent par contre, c'est assez... Oui bon, les gars, c'est bon, on a compris. On va baisser. Là, ça va bientôt être terminé. Calmez-vous.
Il me faudrait. Allez, on va prendre le. Ouais, moins 1 d'agitation dans le pays. Non, on va. Ça sert à rien. Lassitude de guerre, par contre, on va peut-être le retirer. On peut pas le retirer. Ah, jusqu'en 18, ok. Ici, on peut pas avoir quelqu'un qui. Ou chez nos. En 41. C'est pas grave. Embargo coûteux sur la Russie. Bah du coup, on va lever l'embargo. Bon voilà, là ça va péter partout. C'est Montpellier, Djenné. Donc tu vas faire ça. Tu vas faire un petit... Alors tu vas recommencer. Tu vas faire ça, ça, ça et ça. Ok. Ensuite, on va recruter... un général. Voilà. On va t'y mettre. Bon, les... Ouais, bon, là, par contre, la colonie, tu te... Hein, démerdes. Merci. L'Espagne va pas nous laisser passer, je suppose. Non. Bon, on va aller là. Tu vas aller là, après. Tu vas aller à Montpellier. Ok. Toi, tu vas t'occuper de ça. Tu vas t'occuper de ça. Tu vas prendre un général, par contre. T'en as déjà un, c'est parfait. On va convertir ce qu'on peut convertir. Hop, hop, et hop. On n'a pas de rivaux possibles. Bon, à part eux. Bon, voilà, là, on va commencer à terminer tout ce qui est légitimé. Parfait. Oui, bon, c'est pas grave. Autonomie en Tombouctou, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, ok. Là, par contre, ici, toi, là, parfait. Toi, tu rentres en trombe. Toi aussi, c'est bien. Ça commence à péter ici, parfait. Il manquait plus que ça. Ok, ok. Alors toi, une fois que tu as terminé ça, au lieu de faire ça, bon, déjà tu vas t'occuper de ce qu'il y a ici. Et tu vas... Non, je te laisse terminer. Non, en fait non. Tu vas aller là. Et là, voilà. Eh, c'est... Bon, on va renforcer les forteresses, là on peut plus... on va remettre les forteresses en état. Non, 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 tu vas là, toi. Toi, tu vas rester ici. Toi, le bateau, tu vas tourner ici. Bon, bien sûr, hein, c'était prévisible. Hein. Qu'on ait autant de problèmes, c'était plus que prévisible. On va avoir des conflits intérieurs, on va avoir 2-3 petits problèmes ici et là, mais bon, c'est pas grave. Non mais là, c'est de l'acharnement, là. C'est de l'acharnement, ni plus ni moins. Est-ce qu'on peut créer une armée? J'ai envie de dire oui, puisque... Ouais, mais on n'a pas assez d'argent, hélas. On n'a pas assez d'argent. Bon, par contre, toi, tu peux aller en marche forcée. Tu vas aller ici. Oh, oh là là, mon dieu. Bon, voilà. Là, déjà, ça va calmer un peu la surexpansion. Parfait. On en a combien sur expansion? Voilà, là, ça devrait être quand même un peu mieux. Un peu mieux. Et là, on va commencer à... Par contre, non. Par contre, on a toujours notre accès militaire en Pologne. On peut pas. On va améliorer tes relations. Voilà. Toi, tu vas aller ici. Ça me fera plus de place. Toi, tu traverses toujours la moitié de l'univers connu. Ah, tu y vas déjà? Bon, bah écoute, si tu y vas déjà. Parfait. Ouais, un peu de problème en ce moment. Ouais, en fait, tu vas te calmer 10 secondes. Toi, tu vas aller là. Là, plutôt. Voilà. Toi, en fait, bon, je vais te dire foutu pour foutu. Hein. Hop, 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 hop,
Et hop. Toi, Constantinople, s'il te plaît. Ah, et je suis vraiment, vraiment, vraiment content de d'avoir ce fameux succès depuis le temps. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de son là. Voilà. Ok, ok. Bon. Ouais, bon, ok. Là, on va avoir une révolution. Hein. Si on commence à rien faire comme ça. Bon, en fait, tu allais attaquer ici, ça me paraît pas mal. Par contre, toi, ici, tu le divises en deux, tu mets là. Merci. Bon, ça va. Ok. Une nouvelle révolte, hein. Bah oui, forcément. Ici, ici, on s'occupe des particularistes et après on va ici. Donc on va là. Ok. Pourquoi on perd autant d'argent en fait? Ah, la lutte contre la corruption fait très mal. Le renforcement doit le faire mal aussi. Donc là, tu t'occupes de ça en fait. Jusque là. On marche forcé, je vois pas trop l'intérêt. Problème à Reims, un machin, ok. Bon, là tu vas y aller, c'est des quoi, c'est des... Voilà. On peut toujours pas... Il a pas régné 20 ans encore. Ouais, il sera peut-être intéressant là. Excusez-moi. Ça fait chaud dans le bureau là. Ok, tu vas prendre ton marche forcée, tu vas aller à gueule. Ok. Ça c'est bien. Oui, d'accord, d'accord. Ouais, oui, bon, ça c'est quoi? C'est encore des fanatiques, machin, truc, chose. Donc, là, les coronets. Ok, tu vas là, toi, en fait. Quand tu vas être génie. Non, tu peux pas être génie. Fais ça. Tu me déglingues ça. Ok, prends des provinces si tu veux. Bon, c'est bon, ça se calme là les pop-up. C'est pas ce qu'on sait bien faire. Voilà. Donc, ici maintenant. Tu vas stabiliser, tu vas aller ici, tu vas stabiliser. Tu vas te splitter, tu vas aller là, tu vas te splitter, tu vas aller là. Splitter, tu vas aller là. Raguse, eh bah tiens, ça faisait longtemps. Oh, mais qu'il y en ait autant, franchement, je trouve que c'est... Peu importe. Peu importe. On a le succès. Oui, 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 c'est bien, c'est bien. C'est bien, allez, c'est cool. On va améliorer aussi notre stabilité. Pour être tranquille. Tu vas aller là, et après tu vas aller à Ragus si tu veux. Oui, 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 oui. Ok, donc on poutre ça. C'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Fous-moi la... Oui, d'accord, c'est cool, voilà. C'est bon? Je peux arrêter d'avoir des pop-up 45 secondes? Juste pour que je respire. C'est possible, hein. Merci. Faut que le support de gêne en marche. Ah mon dieu, on a perdu. Et bah, tu recommences, mais tu prends un général. Tu vas prendre ça comme général. Et là tu vas prendre un autre général, tu vas prendre lui. Et tu me dis comme ça.
Oui, pas si tu veux. Ok, on va là. Voilà, là, ça va se terminer, cette connerie. Ah bah, un petit pour la route, hein. Mine de rien, on réussit pour une fois d'exploser ça. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Pénible. Tu veux pas te battre contre eux? Non, voilà. Je te bats pas contre eux. Voilà, là on est tranquille. Dégage. Ah. Mais pourquoi il y a per... Crève, voilà, juste crève. Tu me gaves. Je sais pas pourquoi. Ah, j'ai dû appuyer sur C et puis... Putain. Bon. Je vais m'en recruter. 18, 2. Voilà. Ça par contre, tu m'exploses. Voilà. Tu te calmes. On avait dit ici, évidemment, il n'y est pas allé. Là, on retourne à Raguse. C'est bon ? Ou il y a encore d'autres choses ? On va croître maintenant. Non mais c'est. Non mais là au bout d'un moment c'est ça devient ridicule. Ça devient juste ridicule. Pour lui, importe. Oui oui c'est bien, cool. Arrête de raconter ta vie. Je suis désolé, je suis un peu agacé parce que là, tout qui pop au... Ok, on avait 200 de surexpansion. Ok. On va terminer de légitimer ces trucs. Restez poli. Là, oui, bah vas-y, fais ce que tu veux, je m'en contrefous. La France est en guerre, soit. Bon, on retourne à Djenné. Non, non, mais... C'est ridicule qu'il y en ait autant. C'est ridicule, c'est vraiment ridicule. C'est bon? Avec un quasiment zéro de, d'agitation dans le pays, là, c'est la guerre civile, quoi. C'est bon? Allez, explique-moi, c'est... Oui, bon, là, franchement... Comment dire? Ouais, tu vas aller là, toi. Prendre un général ici, pourquoi pas. Ok. On embarque. Et on débarque ici. Bon courage. C'est bon, ça se termine là. Bon, là tu m'exploses, hein, j'ai pas que ça à faire. Voilà. Toi. Maintenant tu me récupères deux gus. Un là. Et un autre là. Voilà. Ensuite. Toi. Tu me récupères deux gus. Un là. Je vais pas le diviser. Ok, normal. Base. Et là tu vas m'exploser ça. Ensuite. Parfait. Maintenant, tu vas en trompe, tu m'exploses ces 11K là. Et après, tu vas signer. Heureusement que je t'ai dit d'aller là, toi. Bon. Enfin bon, on verra ça au prochain épisode. Je suis désolé d'être un peu agacé, mais là, toutes les révoltes qui nous sont tombées sur le coin de la figure, c'est juste aberrant. On a perdu plus de troupes dans nos révoltes que contre toutes les guerres, contre la guerre contre la Russie, quoi. Ah, tiens. Enfin bon, au moins, nous avons notre succès qui est ici, paix garantie. C'était pas simple. On va continuer quand même jusqu'à la fin de la partie. Il nous reste 8 ans. Ça nous permettra au moins de nous reposer un minima. Voilà, ça va de prendre de l'attrition ici. Je vais aller là.
là. Voilà. Enfin bon, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à plus les gens.